ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Semaine passée, ça veut dire semaine passée, nous explique nous montrer position dans la salat. Avec nous montrer wazou, mais nous pas explique quelque chose qui est obligatoire de wazou, quelque chose qui est obligatoire de namaz. Qui fait parce qu'il faut besoin de sitli. Quand vous sitli, vous avez besoin de prendre pas qui. Quand on va prendre ça pas qui, un seul coup, il y a 14 arcanes, il y a pas 5 wajibat, il y a les restes 20 des sunnat. Alors ça dans une note, déjà inali. Mais imagine les affaires que Rasoul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam quand il enseigne une salat sur un sahaba, il n'a pas enseigné une autre salat, il y a un arcan, il y a un pilier dans la masse, ce qu'il appelle arcan. Arcan veut dire un pilier dans la masse. Dans la masse, il y a trois qualités d'action, il y a quatre qualités d'action dans la masse. Non, cinq qualités d'action dans la masse. Une action qui pilier, c'est ce qu'on appelle rukun. Une qualité d'action qui wajib, obligatoire. Et une qualité d'action qui sunna, et une qualité d'action qui haram, pas qu'un droit fait d'étude pour casser la main, et une action qui makrou. Right là? Quand nous faisons la main, et une action qui pilier. Qui veut dire pilier? Rukunna, qui veut dire ça? Rasoul Sassan, il va nous montrer salat comme ça. Il va nous montrer comment faire salat. Il va nous montrer comment faire salat. Ben, oulama, les temps se regroupent tout ben hadith qui cause au salat, à le remarquer qui. Sa sahaba qui rentre dans le masjid pour lui faire salat, Rasoul sallam qui a assisé avec son sahaba, et quand il finit faire salat, il vient contre Rasoul sallam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit rien faire salat, tu pas faire salat. Irja, fa salli fa inna kalam tu salli. Quand il dit rien faire salat, pourtant il fait salat. Ça veut dire que ce salat pas compté. Dans sa hadith contre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il explique sa sahaba là. Comment vous faites salat? Ben, ulama dit, ça, c'est une action qui ressort, ça, ça m'explique, ça, c'est une action pilier, majorité pilier dans la masse. Qui veut dire pilier? Si nous ne pas faire, nous n'amassons pas compter. L'exemple, un jour, on rentre dans la masjid, il veut faire un amas, même qu'il amas nafil, sunnat ou bien faraz, et il peut faire un amas, et il finit, il y a wala dhalin, bismillahir rahmanir rahim, qul a'oudu bi rabbil falaq, min al-jinnati, ou min sharri ghasiqin, idha waqab, il finit, il y a dans le sijda directement. Qui est arrivé. Hein? Est-ce qu'il quand Namaz finit, il fait 6 d'Assahou tout seul, ce Namaz pour compter? Si il fait 6 d'Assahou, il connaît une rate Ruku avec Kriyam. Ruku, une rate Ruku, une rate Ruku, une rate Samiallah Honiman Hamida. Right? Quand Namaz finit, il fait 10 6 d'Assahou. Est-ce que ce Namaz finit, il ok ou ce Namaz n'est pas bon même? Hein? Qui se dit? Namaz pas compté. Parce que 6 d'Assahou, jamais pour qu'il remplace un rukun, un pilier dans Namaz. Ça veut dire qu'il peut arriver là, tout le monde qui fait Namaz, monsieur, madame, soeur, grand, petit, obligé de connaître qu'il rukun dans Salat, parce que tension, il rate une action qui a un rukun dans Salat, qui peut arriver là. Si tu pensais, mais mon fait 6 d'Assahou, imam a fait 6 d'Assahou, mon fait 6 d'Assahou, ce Namaz pas pour compter. Parce que sa rakat qui manque un pilier là, dans un rukun, dans sa rakat là, rejeté. Ça veut dire ça, du monde, c'est-à-dire que, fait, il peut faire une deuxième rakat, et il y a le mazine qui, premier rakat, dans le premier rakat, il rate Ruku, ou ça, il rate Samyallah, ou Hamida, ou bien il fait celle sisda, sa première rakat là, il vient batil. Quand il dit une deuxième rakat, s'il ne compte pas lui-même, sa rakat là vient sur le premier rakat là, il a le void. Right? En plus, il vient faire sisda sur où? Mais c'est moi, le bizin fait ça, rakat, quand il rate sa rukun qui est dans la masse. Par contre, ben wajibat dans la masse, ben quelque chose qui est obligatoire dans la masse, il dit qu'il rate tashahoud, premier tashahoud. Beaucoup de fois, quand l'imam peut faire premier rakat, il fait deuxième rakat, l'imam a 4 rakat namaz ou bien 3 rakat namaz, quand il peut faire deuxième rakat, l'oublier pas le tashahoud, le djibouté. Beaucoup de gens disent subhanallah, subhanallah. Non, pas besoin de dire subhanallah, c'est l'imam infini djibout. Qui fait? Parce qu'il fait premier tashahoud dans 4 rakat ou bien 3 rakat, fait premier tashahoud. Il y a deux fois tashahoud dans la masse 3 rakat, il y a deux fois tashahoud dans la masse 4 rakat, oui non.
sa première tachahoud qui est dans la masse 4 ou bien 3 ou 4 là, les wajib, ça lui obligatoire. Il n'est pas rukun, il n'est pas pilier. Premier là. Mais le temps imam, il finit djibouté. Sa troisième rakat qui est djibouté là, pilier ça ou ça wajib ça? Troisième rakat? Pilier. Ça veut dire qu'il finit sortir une action qui est moins importante, il finit l'action qui appelle rukun. Djibout. Il n'est pas besoin de réassiser. Ça veut dire que Moussali, quand vous finissez à apprendre, vous ne connaissez pas besoin de dire subhanallah. Vous êtes capable de dire subhanallah si l'imam perd au djibout, vous avez fini de comprendre, il n'est pas encore au djibout, vous êtes dit subhanallah, l'imam réassise fait tachahoud. Mais si l'imam finit djibout, il finit djibout, il finit prendre position djibout, alors là, ça veut dire qu'il n'est pas pour réassiser, sortir le rukun, vin le wajib. Non, là, il est besoin de djibout. Quand il finit de faire namaz, il est en manquement de son namaz, il fait son tahiyat, il lit son daroud, il lit son dua. Avant de faire salam, il fait des sidasahou. Avant de faire salam, il fait des sidasahou, correctement pour remplacer la rakat. Mais par contre, s'il rate un rukun, son namaz pas pour compter, s'il n'a pas fait ça, sa rakat, s'il rate sa rukun, sa action qui pilier. Alors ça, je comprends qu'il appelle rukun avec wajib là. Ça veut dire nous dire quand un rukun, une action qui est un pilier dans la namaz, un rukun dans la namaz, si nous ratons, nous bizarre faire sa rakat là, après nous faire sida sahou. Une action qui est obligatoire dans la namaz, si nous ratons, nous oublions, non, nous faire sida sahou, nous pouvons faire ça, ça va dire nous payons pour refaire sa rakat là, d'accord? Et bien, sunnat, si nous ratons, nous payons pour faire, nous ne pouvons pas faire sida sahou, nous ne pouvons pas faire sida sahou, nous ne pouvons pas faire aucun effet, l'eau namaz, si nous ratons une sunnat, il n'est pas pour faire l'effet de l'onamaz. D'accord? Alors, ça, c'est que je vous note. Parce que quand je termine ça pour vous, là, je vous donne ça note qui est avec moi. Là. Ça, là, c'est que moi, je prépare ça. Là-bas, je vous donne ce livre, là, même en anglais, en français. Je vous donne ça note là. Je vous donne ce note ça là-dedans. C'est l'examen pour gagner des billes là-dedans. Alors, là-dedans, je vous trouve arkan, sala. Je vous gagne un arkan, je vous gagne un wajibat, sala. Ben quelque chose qui est obligatoire, ben quelque chose qui est pilier, et ben quelque chose qui est sunnat dans la main, je vous gagne ça dans sa slide. Là. Pareil comme ça même, dans Wazou, il y a une action si nous ratons, Wazou pas compter. Il y a une action si nous ratons, Wazou compter. Right là? Combien de choses obligatoires il y a dans Wazou? Ça veut dire pilier de Wazou, obligatoire. Pour Wazou, ben ulama pas appelé ça rukun, c'est appelé ça wajib. Parce qu'il peine, dans la main, il y a une action appelée pilier, une action appelée obligatoire. Dans Wazou, pena rukun avec wajib. Il y a juste wajib. C'est wajib même qui est premier. Pena wajib avec. Pena rukun avec wajib. Pena des niveaux d'obligation. Rukun, ce niveau haute. Après, il y a wajib, après, il y a sunna. Mais dans la main, dans Wazou, il y a juste wajib avec sunna. Pena rukun. Les là, qui s'en a quand même sa rôle de rukun, là, sa wajib là. Si nous ratons un wajib de Wazou, on dit qu'on peut faire Wazou, l'oublier là, son armée jusqu'à côté poignet. Qui arrive? Wazou, pas compté. Jusqu'à côté, ça veut dire là au poignet, included poignet, c'est coude, mauvais dire poignet, coude. Il n'y a pas de la jusqu'à côté, coude, c'est qui peut arriver à se dire. Ce oiseau compté, ce oiseau pas compté. Il est obligé de refaire oiseau, ou bien s'il y a encore d'un oiseau, il recommence la tsunami, il continue oiseau depuis l'armée. C'est-à-dire il retourne l'opposition de l'armée, il lave tsunami jusqu'à côté de ce coude, ensuite il fait un massa, il continue. Right là, et il arrive là au massa. Il peut faire un massa. Il a trouvé son armée, il n'y a pas de laver. Qu'est-ce qu'il fait? Il relève son armée jusqu'à côté de son coude bien. Ensuite, il fait son massage. Là, il lave son vide. Pas besoin de recommencer oiseau depuis le commencement. Mais s'il est fini de faire oiseau, à se dire. Il est fini de faire oiseau. Et il peut marcher, il peut rentrer dans ma vie. Il a trouvé son lipier en bas, son cheville sec. Qu'est-ce qu'il fait? Il refait oiseau, ça, il allait, il lave son lipier. Non, il lave son lipier. Parce qu'il est fixe au tigne encore là. À ce moment-là, on dit non. Il vient, il a l'assise là-bas, il peut causer. Là, il y a le masque sur les pieds, il brille laver. Il est réobligé de commencer à faire oiseau depuis le commencement. Qui fait? Bon, vous dites ce qui fait là. Ben, quelque chose qui est obligatoire dans oiseau. Qu'est-ce qu'on a dit, non? Dans oiseau. Dire. Première affaire, la figure. Parce qu'il voulait la figure avant, après il voulait la mettre côte coude. À ce qu'il voulait la figure, il disait mettre de l'eau dans la bouche. Mettre de l'eau dans la bouche, mag, mettre de l'eau dans la bouche. Et mettre de l'eau dans nini, il est obligatoire. Mag, mettre de l'eau dans la bouche. Et mettre de l'eau dans nini, il est obligatoire. Si il y a de l'eau dans nini, il est sunnah. Ça appelle ça istinchaq. Appelle ça istinchaq, mettre de l'eau dans nini.
Ça, c'est ça, istinthar. Mais istinthar, pas wajib, c'est sunnat. Mais mettre des noms dans la bouche et dans les nez, c'est obligatoire. Ah, t'as une idée là. Lave figure. Comment faire? Lave figure obligatoire. Lave la mise à côté de coude. Combien? 4. Fais un massage. Quand tu as fait un massage là, la tête et les oreilles ensemble. Comment y faire? 5. Lave les pieds. 6. Fais-les dans l'eau. 7. 8e. Pas capable de faire oiseau. Une fille lave la main, lave figure. Il y a un coup de téléphone. Il prend son téléphone, il commence à causer, ouais, tu m'as dit, t'es bien, ça a fini de causer tout. Là, son amène, tu sois fini sec. Après, il coupe, il continue à faire oiseau. Ce qu'il appelle, il vise à continuer à faire oiseau. Ça clair là? Ça, c'est une action qui est obligatoire dans oiseau. Après, les autres actions sont sunnates. Si elle lave un seul fois obligatoire, lave deux fois ou bien trois fois, les sunnates. Mais c'est même ça, nous lave un seul fois. Un dimoun qui a fait oiseau, il lave son amène droite bien. Après, il lave son amie gauche, il lave des fois, mais il n'y a aucun problème. Ou bien il lave son amie droite des fois, il lave son amie gauche une seule fois. Ça veut dire quantité, sans quantité, pas un problème. Pas que je dis, si mon lave droite trois, je vais obliger la gauche trois, non. Et dans le riwayat, le Rasoul Salam, il lave un côté de l'amie deux fois, il lave l'autre côté trois fois. Pour ça, il lave une fois avec il lave deux fois, mais il n'y a aucun problème. Ça clair? C'est ma cause pour que dans cette note, la raison pour trouver quelque chose qui est obligatoire dans oiseau et quelque chose qui reste qui restait sunna. Ça veut dire lave la mise qu'à côté poignet qui dit. Quand nous commençons à oiseau. Les sunna. Right, lave des fois, trois fois. Sunna. Après, les autres actions. Fais istinthar, tiens des roues de bidonini. Les sunna. Aste hadith tachlil. Tachlil. Tachlil veut dire passe les doigts entre les doigts et entre les doigts les pieds. Après, il sort entre là-bas. Après ça, qui dit Tachlil. Ça, hadith Tachlil, là. Ben, ulama qui vous dit hadith Tachlil authentique, je vous dis fais Tachlil. Quand on lave la main, fais Tachlil. Mais ulama qui dit hadith Tachlil fait, je vous dis peine à Tachlil d'Awaz. Excepté si un djimoun, dès l'eau parente entre les doigts, les là, il vous dit lave bien. Clair ça, master? Right? Allez, right. Ben, quelque chose qui casse oiseau, moi, tu finis d'expliquer ça. Ben, un piété qui sortit dans l'écho, dormi, du moun nan, dans la masse du moun, comment il rentre, il est saoulé, comment il fait des arcades. Et t'as élevé, il peut, il va pas, il va pas, il va pas, il quand il était dans la masse, il m'a été, il m'a oublié tout. Il est obligé à faire oiseau. Mais c'est un du moun qui casse un petit coup pour lui, ce oiseau pas cassé. Right? Bon, ça, c'est fait pour apprendre dans mon détail. À ce pour aujourd'hui, quand nous finis oiseau, namaz, ben, quelque chose qui. Il y a quelque chose qui casse la masse. Il y a quelque chose qui casse la masse. C'est un djimoun sur oiseau cassé. C'est un djimoun sur oiseau cassé. C'est un oiseau cassé, son masse cassé. Ou bien. Il y a quelque chose qui casse la masse cassé. Hein? Non, mais vomi, s'il y a une vomi, manger de ressortir pour casser ce oiseau. Un namaz cassé. Qui était causé intentionnellement. Un djimoun dit causé dans la namaz. Mais fait quand un djimoun dit dans la namaz, il dans la namaz, il a répondu un coup. Ce namaz, il a dit oulama, mais majorité oulama dit ce namaz pas cassé. Riez dans la namaz. Et riez dans la namaz. Cassé. Manger ou bien boire dans la namaz. Namaz cassé. Right? Si un djimoun, il sortit le kibla. C'est arrivé. Parce qu'il fait un namaz vers le kibla, il y a une charte. Il y a une condition pour namaz compter. Mais si un djimoun, il peut faire un namaz pas de kibla. Il fait un namaz 90 degrés. Ce namaz cassé. Right? Après, beaucoup de mouvements qui ne trouvent pas dans namaz, nous font aller dans namaz. M'aurait dit, hein? Beaucoup de mouvements qui ne trouvent pas dans namaz, nous font aller dans namaz. Ça veut dire un coup, il dresse sur la barbe, des coups, il dresse sur la barbe, il dresse sur moustache, il dresse sur la manche, chimama, il dresse sur chimar, il pose, ça n'a pas cassé. Mais un djimoun, il peut faire cela, il peut gratter, il gratte un coup. Il n'y a pas de problème. Mais c'est moi, faire une action qui ne trouve dans la masse, dans la masse, avec exagération, il casse dans la masse. Right? Allez, right. Là, nous pourrons rendre un nouveau chapitre, Steve. Dans sa leçon, nous pourrons rendre un nouveau chapitre. Nous peut causer le caractère un musulman. Qui nous peut causer?
caractère, qui caractère est musulman bizaina, qui akhlaq est musulman bizaina, et capable, il capable arrive des affaires. Et n'importe qui, et n'importe quoi musulman, et n'importe qui dans son nature même dans sa akhlaq qui moafik avec l'islam. Moi dire, n'importe qui, il y a une qualité dans lui, un caractère dans lui. Qui sa caractère, il y a un caractère que l'islam peut demander. Le design est dans lui. Après, il y a un caractère que l'islam défend. Clair là? Nous faire comme si dirait un musulman, le design a 10 caractères que le design a dans lui, en tant qu'un musulman. Un djimoun, quand il n'est même, quand il grandit même, dans la case, il grandit, le design a 6 là-dedans, caractère bon, il y en a 4 caractères qui pas bon. Qui le besoin faire? Hein? Il continue à aller dans sa 4 pas bon là? Hein? Mais lui, il connaît. Quand il est par exemple, quand nous écoutons ça, les sons là, nous finissons de comprendre pour expliquer 10 caractères là. Dans sa 10 caractères là, pour l'eau d'Allah, moi, il y en a 6 là-dedans. Qui m'a besoin de faire quand moi, il y en a 6 là-dedans? Vous connaissez qui m'a besoin de faire? Moi, je retourne à un monde qui est dans sa 6 là, moi, attaque eux. Pas vrai? Hein? Écoute bien ce que je veux dire là. Moi, pour expliquer 10 caractères, il y en a beaucoup de caractères, mais nous, nous choisissons 10 caractères, ça livre, nous choisissons 10 caractères. Qu'un musulman il besoin habillé avec sa bonne caractère. Quand moi je écoute ça les sons là, je trouve qu'il y a 6 caractères. Qui m'a besoin faire quand moi il y a 6, moi j'ai 60%. Qui m'a besoin faire? Moi besoin retourner du monde qui j'ai payé dans 60%, moi attaque. Après moi mon 40% qui m'a fait faire, moi pas d'accord avec du monde cause là là. Parce que moi j'ai 6 ou 10. Non, ce qui nous besoin faire quand un musulman pas juste dans sa akhlaq là. Un musulman, il trouvait Allah peut faire faveur au lit, il peut faire 5 fois salat. Qui lui faire? Qui lui faire? Qui lui faire? Rabbi j'alni muqim as-salat. Il continue faire doigt avec Allah. Oh Allah, fais-moi venir. C'est lui qui continue établir salat. Ou amin dhurriyati et mon descendance. Coran, surah Ibrahim alayhi salam. Aïe là. Ou ça, il commence à attaquer tout le monde. Non. Quand il y a une qualité, ou bien sur iman, ou bien sur iman, ou bien sur ibadat, ou bien sur akhlaq, ou bien sur business. Un djimoun, il analyse son business pour l'autre. Allah, il trouve que mon business est halal. Qu'est-ce qu'il fait à ce stade? Il y a tout le monde qui son business haram, il commence à veiller tout. Après, il commence à attaquer. Ou bien, quand il réussit, il son iman d'après Kitab wa Sunna, son ibadat d'après Kitab wa Sunna, il y a un akhlaq qui l'islam peut préconiser. Et en même temps, il y en a aussi un adab que l'islam préconise. En même temps, il est loin avec un haram que l'islam défend. Là, qu'il nous a fait, qu'il nous fait. Il dit, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min fadlik. Il demande à Allah, dua qui, oh Allah, n'a pas laissé mon équerre égaré, dévié, après qu'il te fait une guide mon équerre. Il y a aussi un hadith de Masjid. L'état mon prépare de Masjid, que nous là, terre rouge, de Fajr, lundi, jusqu'à Zaydi. Nous citons un hadith, 3 minutes, qui est montrer l'importance namaz. L'importance namaz, grandir namaz, bénéfice namaz, danser quitte namaz. Tous les jours, toutes les semaines, lundi, skazedi, 2 semaines. Après, je vais donner un congé, une semaine, je vais donner un hadith là, amène la case, mettre dans le file, je vais tout la famille, qui n'est pas correct, tout ça, un hadith là, ok, là, là, nous réexplique notre hadith. Maghrib, je vais expliquer un hadith, que tu gagnes jannat. Dans Maghrib, 3 minutes, tous les jours, je vais gagner un hadith, que tu gagnes jannat pour une action. Ici, mon site un hadith, il y a un jannat obligatoire. Qui a dit ça? Je vais citer. Ça vient de passer quand je fais oiseau. Qui a dit mon site? Pas besoin d'arabe, non, il n'y a pas besoin d'autres qui livrent, qui a, qui raoui, qui riwayat, sanad. Qui a dit en créole même là? Je vais citer, ça vient de passer concernant un jannat. Non, pas un jannat, non. Jannat est obligatoire. Qui a dit? Hein? Non, fait des rakas, il y a un jannat, pénal. Ah, ma min muslimin yatawadda wa yuhsinu al-wudu wa yusalli rak'atayn wa yuqbilu bi wajhihi wa qalbihi alayhima illa wajabat lahu al-jannah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hadith sahih muslim. Que jannat, jannat pe min obligatoire aux musulmans, c'est pas musulman qui pas intéressé à la jannat. Ça qui est le problème qui vient nous bande musulmans. Nous bande musulmans pas intéressé pour rentrer dans la jannat. Ces affaires musulmanes pas intéressées rentrent dans le jannat là. Moi qui veux dire ça? Nous, Rasoul qui veut dire ça. C'est un djaha? C'est un djaha? Refuser pour rentrer dans le jannat. C'est un djaha? Ben, sahaba, il y a un souk. Ya Rasoul Allah, famay ya'ba. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sahih Bukhari, il dit. Écoute, hadith jannat encore.
Ben, le frère qui est intéressé, envoyez-moi un WhatsApp. Moi, vous avez tout ça dans le hadith là. Vous avez mis dans le file. Vous avez guetté si pas, côté moi dans la case. Nous pouvons mettre ça en pratique. Il y en a beaucoup, beaucoup de bénéfices. Parce qu'il fait un choix assez avec Inaya. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Sahih Bukhari dit dire. Il dit Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Tout mon ummat pour rendre la jannah. Correct là. Tout le monde content. Tout ummat Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour rendre la jannah. Rasul dit, illa man aba, excepté c'est lui qui refusait pour rentrer à Jannat. Hein? Léla. Man sahaba qui dit. Man sahaba qui question posée. Qui question je vous impose, moi là? Mais mon fini dit à Hadith, ça là. Qui je vais dire, moi? Hein? Chana qui refuse pour rentrer à Jannat? Bon, ben, j'ai un hadith, Rasul Sassan, ben, j'ai كل أمتي يدخلون الجنة. Tout mon ummat pour rentrer à Jannat. Illa man aba, excepté c'est lui qui refusait pour rentrer à Jannat. Après, moi, j'ai un hadith, ça fini. Qui tu vois arriver? Eh, cher, qui s'en a qui parlé rentrer à Jannat? Ben, il demande Rasul sallallahu alayhi wa sallam, فَمَنْ يَأْبَى qui s'en a qui refusait pour rentrer à Jannat. Écoute, réponse à ce dire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man ata'ani dakhala al-jannah, c'est lui qui obéit à moi, il rentre dans la jannah. Wa man asani, c'est lui qui désobéit à moi, il refuse pour rentrer dans la jannah. Hein? D'où est-ce ce hadith qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne nous qui est musulman, il fait wazou et il perfectionne ce wazou. Ensuite il fait des rakat avec présence d'esprit avec l'équerre. Jannat est obligatoire, l'oli obligatoire. C'est moi, si c'est pour réfléchir ça. Puis il est obligatoire, l'oli, il est là. L'état où c'est, elle met en pratique, elle va trouver qui quantité besoin de la guerre avec nos nafs, avec nos cerveaux, pour faire ou l'esprit ou l'éther présent dans son lac-là. Bien difficile, elle est là. L'élément qui savait dire, c'est un tout un. Écoute bien, hein, c'est tout un la vie en entier. Quand il bouge dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il dit pourquoi pas faire cette dirakat-là avec présence d'esprit, présence du cœur. Un djimoun qui m'a dit, il est haram, il peut manger haram, il peut boire haram, il peut rater salat, parfois il fait salat, parfois il fait jamat, parfois il ne fait pas jamat, parfois il fait les premiers lire, parfois il fait les après lire, il fait les lundi, mais grand-mère, il peut faire Isha, et il peut faire Maghrib, il peut faire Zohar, par exemple. Mais là, quand il fait 10 rakat, nafil, il perfectionne ce oiseau. Je pose une question. Est-ce qu'il fait quand même Moussa Dimoun là? Je ne peux pas faire ça 10 rakat là avec présence de l'esprit, avec l'équerre? Pas pour pas. Ça veut dire ça, hadith là. Ils font partie d'un mangrouma, appelle ça. Dans un système qui sont musulmans là, vivent. Et parmi les grands faveurs, ils peuvent gagner quand ils vivent. Ça, la vie qui Alex Rasoul, il enseigne là. Parmi là-dedans, il y en a pour une obligatoire, quand ils peuvent faire ça 10 rakat là. Aïe là. Ça veut dire Jannat. Jannat. Mais nous faisons travail. C'est un qui, dans le jour, on va dire l'état, on va expliquer à l'un créé nous, Ravichi créé nous, l'un mettre fitrat din dans nous, fitrat islam dans nous. Même nous, on est de la case non musulmans. Ensuite, l'un de nous l'objectif. Ensuite, il met un sharia. Ensuite, il envoie un modèle. Ensuite, il envoie un livre. Qui fait plus vis-à-vis des musulmans, rappelle ça. Parce qu'il façon qu'ils nous vivent, pas peut montrer qu'il nous comprend à l'aide de nous dans la dunya pour nous gagner à l'akhirat. Pas peut montrer ça. Mais ça serait réviser encore, réviser. Aussi, l'élève qui va réfléchir, qui fait dans le Coran une parole répétée 100 fois. Waqimu salah, waqimu salah, waqimu. Tu vas dire, oh Allah, nous finissons, comprends Allah, correct. Apparemment, en étant répété dans les leçons, un frère qui a dit, bah, hier où tu dis ça, aurait dit 100 fois. Non, mais besoin de dire 100 fois. Mais c'est une de Nazan 5 fois par jour. Qui fait une de Nazan 5 fois par jour? Tout musulman pas connu dans 5 fois soit là. Qui fait de Nazan? Qui fait une cause de l'importance de Namaz à cette type? Mais Azan, c'est. Qui fait que j'explique Namaz dans Mimbar? Déjà, je tout connais comme un musulman 5 fois Namaz, pilier dans l'islam. Je tout connais peut-être un Azan pour établir soit là. Mais qui fait que j'explique le soit là? Parce qu'il fait traite Bachar, blier, refaire appel, ou avec qui? Ben frère. Alors, quand un musulman. Je répète sa phrase comme je arrêté tout à l'heure, je oublié. Quand il trouve son iman, mouafiq, il agréé, en même lien avec Kitab ou Sunna, il trouve son ibadat qu'il fait, Alhamdulillah, tout grandir pour Allah. Nous dit Alhamdulillah, il l'a dit, hadana li hada. Pourquoi ne pas tout le monde peut faire toute qualité ibadat?
Et t'as du manit, ça n'est montre où ça ibadat là, ah, on connaît un manana qui dit. Et on peut trouver qui où, quand on peut réviser, qui fait on peut faire sa tasse là, nous rassoul en dire. Qui fait on peut faire sa tasse là, parce que nous rassoul pas en dire. Qui fait on peut faire doigt ici, on peut lever la main, nous rassoul tu lèves la main. Qui fait on peut lever la main ici, parce que nous rassoul pas tu lèves la main. Qui fait on peut faire ça quand c'est rakat là, parce que nous rassoul tu fais ça quand c'est rakat là. Quand on peut trouver où dans sa qualité là, qui vous fait ça. Ou les chaitans rentrent dans les kiens, yatako avec la supériorité, ou bien, ou dit man Allah, dua, Rabbana, la tuzir kouloubana, ba'da id hadaitana, wa hablana mille. Donc, ramène la kanta ou Allah, la tuzir kouloubana, n'a pas laissé nous les kiens dévier, ba'da id hadaitana, après qu'il te finit guide nous. Je connais comment un djimoun rentre dans le jannat qui vous dit? Un djimoun rentre dans le jannat, vous connaissez ce qu'il vous dit? Il vous dit, alhamdulillah, il l'a dit. هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله نو جيت تو غانديه بو الله تو ايلوس بو الله سي لوي كي فين غيدنو بو نو غاندا جنات الله غيدنو بو نو غاندا جنات باسكو سي الله كي دولو نو شيطان فين شيطان فيني برون وين لي فو علي ان ديمون بيان مسجد شيطان فيني avec des djimoun trapou les vous allez pas rendre masjid qui arrivé vous connaissez qui fait pas pe carré ça parce qu'il a wa inna alaykum la hafizin الله نمد بان فرشتة كي بروتيزو لين انسيو بان اذكار كاو فيه بروتيزو لين انسيو بان موانيا كي بيزا ادوكتي بو كي شيطان اك ابليس با فيه سكي ينبي اوكو مي او مومان سا انسان لا لي ريتون سا جولا ا رب العالمين جل جلاله توا تو فين ديت موا توا تو دون موا توفيق توا تو فاسيليت موا كاري فيه سا لا لا كي بو اريفي لا لا الله سبحانه وتعالى بروتيزا انسان Ben qui est capable, écoute, pour ne pas parler suite le shaitan, comment nous gagnons protection shaitan, je t'écoute les sons hier, très important, très très important, je gagne l'occasion, écoute les sons hier dans nos islam, je vous gagne une idée, comment gagner protection Allah contre shaitan. Right là. Ça, ça fait que quand un musulman, je peux dire là, ben là, je peux dire, un djimoun sur iman, d'après kitab ou sunnah, un bouc vini dire, Allahu mawjoudun bila makan, qui vous prêve, dit bien après. Par jour, peut répéter une cause, l'eau Allah 100 fois par jour. Faire oiseau, montrer Naman Djanaza, peut faire Nika, peut faire Zikrullah, peut faire Katam, peut faire Maulud, peut faire Ourouz, peut faire n'importe qui peut faire Allah Mawjoudoun Bila Makan. Allez dire tout le monde dit Allah Mawjoud. Qui peut cause l'eau Allah? Quand tu prêves, il est après. Qui te prêve dans le Kitab avec Sunna, tu peux causer, il est après. Mais quand on trouve où peut dire une affaire, il y a un Kitab avec Sunna, là. C'est réalité, si c'est Allah qui connaît, que tu ne peux pas connaître. Quand nous parlons connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous peut descendre le premier ciel, dans le troisième ciel à nuit, mais si pas ce trône, il vient libre, pas vient libre, si pas côté Allah, tout ça là, nous ne connaît pas. Quand nous parlons comme ça, quand nous sommes capables de comprendre la haqiqat, dhatu rabbani, comment un djimoun qui n'a pas pu comprendre, jannat n'a pas pu comprendre, l'amour n'a pas pu comprendre, son propre roux n'a pas pu comprendre, qui trouve à l'intérieur, son intelligence n'a pas pu comprendre, ce sentiment que mon travail n'a pas pu comprendre, il ne peut pas comprendre, dhatu rabbani, vous voulez dire, Allah dans lui-même ne peut pas comprendre. Comment tu peux comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, oui, nous disons Allah ce qui Allah dit à lui-même, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand l'iman vient d'après kitab wa sunnah, ou ibadat qui vient d'après kitab wa sunna, ou akhlaq qui vient d'après kitab wa sunna, ou adab qui vient d'après kitab wa sunna, ou business qui vient d'après kitab wa sunna, ça veut dire halal. Là, à ce moment-là, shaitan commence à révolter. Vous faire attention. Les même qui shaitan pour venir attaquer, il n'y a pas qu'à faire ou faire haram, il faut faire ou faire nafil pour être faraz. Il faut faire ou faire nafil, il est vous, tahajjud, 3 heures, tous les jours, il vient vous pile. Après qu'on arrive 4 heures, 5, vous sommeil, vous êtes fajab. Shaitan vient vous là. Les mêmes qui dit beaucoup moins, c'est l'autre qualité de travail psychologique avec vous, quand vous sentez peine à personne de sa vie là, comme moi, tout seul qui plie. Bon. Comment on commence à gagner ça, c'est un fini pour victoire. Alors, un insan, quand il trouve à l'aide de l'itofir, dans son iman, son action, son akhlaq, son adab, son business, son lakas, ses enfants, qu'il fait, il retourne ça à Rabbul Alamin, Jalla Jalalhu, il dit Alhamdulillah, il l'a dit, Hadana, tout grandir pour Allah, c'est lui qui finit. Alors là, c'est là quand nous analysons ça, 10 caractères qui m'ont fini choisir là, il est capable d'arriver qu'un djimoun, il trouve mon assise là-dedans. Qui lui bisait faire? Qui action lui bisait faire? Il bisait notre sakat qui lui peine là. Il demande Allah dua, il demande pardon, il demande l'aide à Allah pour lui capable d'habiller avec sa caractère qui lui peine là. Et ça va un caractère qui dit déjà et là, qui lui fait, il demande Allah subhanahu wa ta'ala dua, qui lui perfectionne lui et lui laisse lui avec ça ce qu'il a besoin de Rabbul Alamin. Jalla Jalalu. Right? Al-akhlaq. Ça, on appelle akhlaq. Caractère musulman.
Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, hadith de Musnad Ahmed, li dit ki innama bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq. Allah fin envoie-moi. Pareil que moi, Allah fin envoie-moi pour enseigner et établir ibadat juste pour Allah. En même temps, Allah aussi envoie Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour lui perfectionner ban akhlaq. Perfection. Je vous donne l'exemple de perfection de akhlaq et l'exemple de perfection de akhlaq. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire itikaf dans masjid Nabawi. So madame Safiya ibn bint Huyay, and parmi so madame radiallahu anha wa ardaha, film in visite li d'itikaf. Right? L'état Rasul sallallahu alayhi wa sallam il finit converse avec so madame, il vient quitter côté l'apôtre masjid. Qu'on est capable de dire l'apôtre là? Ma papa m'a un petit peu rire quand on dit ben là j'ai Rasul tu as petit d'un coup de mille la carte. Ben quoi tu n'as Barton, tu n'as Tempo, tu n'as 5 la Sam, tu n'as bizarre passe machine, tu bizarre nettoyer le ton. Ben nous peut dire Rasul tu peux d'un coup de mille, c'est ma façon qui nous veut dire ça là. Nous peut pas dire Rasul sur la Sam quand tu fais 6 dalles, tu peux capable gagner l'espace. Quand il peut faire 6 dalles, peine en place, il bizarre avance les pieds. Aïcha radiallahu anha, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, les personnes qui étaient avec son âme devant l'apôtre masjid, comme l'apôtre masjid là, mais il n'y a pas une djibou à tête, ça. L'apôtre masjid avait fait tam. Il trouve des sahabas pour traverser. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il appelle ça des sahabas là. Ça des sahabas là, il trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam et qu'une madame de le sauver. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait appel encore. Qui est arrivé? Qui fait ce peut sauver? Non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous pas envie, embarrasse-toi. Mais qui est embarrassé? Moi qui n'ai pas besoin. Tu fais ce pays. Nous parler en bas. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, mon appel pour faire ce connaître qui sa madame qui peut dire bout en moi là, c'est mon madame ça. C'est mon madame qui peut dire bout en moi. Et ça montre que madame là, tu t'en fous le pardon, parce que je ne savais pas pour reconnaître qui ça là ça. Alors, les talibs disent ça, je ne savais qu'il répond, ya Rasulallah, tu pensais qu'il nous bout de toi? D'après toi, nous vous doutons toi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, non, mon père n'y a traqué, mon vous doutez toi, mon n'y a traqué, que tu viens les deux. Shaitan, pour venir attaquer toi, pour faire voir soi ça, par contre, qui ça, madame, tu peux dire, vous dans Rasul là-bas là. Fa'inna shaitan a yajri fiddam, fil insan, majri yaddam. Parce que shaitan, li bouger dans l'écho, en dimoun, pareil comme en disant, hein, quand tu peux aller, disant, shaitan dans ça. Ça veut dire, imagine sa perfection de sa action là, quand il peut empêcher shaitan, il attaque son frère. Bien souvent, tout le monde dit qu'il prend une bouteille de la bière, après il boit du thé. Il dit, moi, tu peux envie de connaître ça, veiller mes affaires. Il peut boire en public. Il dit, non, mais veiller mes affaires, vous avez mes affaires. Mais pas rien de droit, ça, parce que vous pouvez donner l'occasion au frère, pour chacun attaque lui. Vous pouvez donner l'occasion au chacun pour attaquer au frère. Qui fait, vous avez boire de la bouteille la bière, vous avez en public. Faites-moi dire, pas qu'il n'y a aucune bouteille, ça, il y a là. Puis, moi, des soirs, il me dit, boire du thé, là, de la bouteille la bière. La vie, cachée pour. Pas besoin de boire en public pour qu'il dit, pour qu'il m'obéisse, que ça n'a qu'il pouvait, moi. Non, fausse. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah fin envoie lui. Comment pour tirer du monde dans le shirk, mais dans le tawhid, il aussi envoie lui pour perfectionner le caractère insan. Quand un sahabi, il a dit, Aïcha radiallahu anha, ya Aïcha, donne-nous comment Rasul sallam son caractère, tu étais? Son caractère, comment tu étais? Madame, tu demandes son madame, Aïcha radiallahu anha, qui Aïcha répond, khulukuhu al-Qur'an. Ce caractère, c'était le Coran. Il y a un Coran qui est mobile. Ça veut dire instruction qui est dans le Coran, les traduire dans le caractère de nos habibs sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit concernant le caractère. Akmalul iman, akmalul mu'minin, imana ahsanuhum khuluqa. Qui musulman, qui son iman plus complet, c'est celui qui a le meilleur caractère. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit khayrukum. Khayrukum li nisaihim, meilleur parmi eux, c'est celui qui est meilleur envers son madame. Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dit peine aucun action zoukhiyama qui vous mettez, qui vous plie lourd zoukhiyama, excepté qui bon caractère. Alors, beaucoup de musulmans, dans nous l'entourage, ils comptent quand il y a un défaut dans lui, et sa défaut là compte caractère. Comment dire, ils reconnaissent sa dimoun là pour sa défaut là. Ils reconnaissent sa baïla, sa lola, pas venir zoukhé. Tout causé dans Zouré, par exemple. Alors, ben, dis-moi, comment on vient fier le bon caractère qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il défend. Et l'autre, dis-moi, ben, là, connaissant, il courait, ça. Comment dire? Quand il vient courir là, ça veut dire, il vient pas en nous tout accepter. Il dit comme, eh, ben, il courait là, puis il vient là. Non, si, nous dialoguer, ben, il courait. Et pourtant, c'est un caractère, mais qui Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas content.
Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'autre hadith qui dit dans Ahmed, dit que les gens qui ont été dérangés au Qiyama, à cause de l'akhlaq, à cause de l'akhlaq, pareil comme les gens qui ont été la nuit dans l'ibadé dans la zone du Gaz Rosa, à cause de l'akhlaq. Right? Là, je vous passe tout ça, mon akhlaq. Est-ce que c'est carrière claire? Mes enfants. Ça, mes enfants, ils ont appris ça, mon caractère là. Papa, ils ont appris, maman, ils ont appris, ils ont appris, ils ont appris. Premier, as-sidq. Cause vraie. Dans la case, si les enfants commencent cause mentir, catastrophe. On finit perdu aux enfants. S'il fallait pas faire les PN qui a été payé, qui dit vous cause mentir, s'il fallait accepter, faire accepter ce erreur, explique-lui ce erreur, donne-lui une punition pour ce erreur, c'est même faire attention qu'il vous fait à ses enfants, ou terrorise ses enfants-là, qu'il lui être faussé pour cause mentir. Pas besoin. Et si il y a deux qui ont une action, fini. Il prend le dos, il a roulé, il crase. Qu'est-ce qu'il faut faire? Inna lillah, il a dit, le rôle mécanicien, avec le mécanicien, sans beau-faux, sans la peau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il finit à arriver, c'est-à-dire. Trop tard. Il roule le motocyclette, il crase le motocyclette, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, on parle la guerre des enfants, là, vous savez, là, qui fait les enfants, là, il prend le motocyclette, là, sans lui demander son parent. Qui quitte chose, il pousse pour lui faire sa qualité quitte chose là. Qui fait? Il fait une place qui n'a pas besoin de connaître. Il se met caché pour aller. Non, son papa ne dit pas prendre. Qui fait? Il peut bien cacher pour prendre motocyclette là. Bizarre, près de ça. Motocyclette crasée, pas pour qu'on fasse. Non, c'est trop tôt. À ce moment-là, vous dites, quand vous avez un peu de temps, vous avez réparé. As-sidq. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, il dit, Ya yuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Surah 9, verset 119. Au ban qui n'a iman, il n'a taqwa. Qui était ta quoi? Après, je dis, répétez, hein, répétez les sons. Tout le monde répète même les affaires de Djouma. Les gens, ta quoi? Mon frère, ma soeur. Qui était ta quoi? Quand nous avons le mot ta quoi, moutaki. Ta quoi, moutaki. Qui était ça? Hein? Bilal? Ahmed? Hein? Allez, allez. L'India qui met un barrière en tout avec punition Allah. Ce réponse, bon. At-taqwa, c'est mettre une barrière en tout avec punition Allah. Comment nous mettre sa barrière là, mon astre, mon bloc, mon mettez? Non. Pas faire quelque chose qui est obligatoire, quelque chose qui est haram. Ça veut dire qu'un djimoun, il a envie d'apprendre, qui veut dire at-taqwa, il apprend facile. Fais le wajiba, tarkul munkarat. Faire obligatoire, quitte haram. Et ça, basé le hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, vint dire, qu'Allah vint dire, wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabu ilayya mimma aftaratu alayhi. Qui Allah lui plie content qu'il y ait une servité adoptée par une petite chose qui Allah lui fait obligatoire pour lui rapprocher avec Allah. Alors, c'est qui qualité quelque chose qui Allah lui fait obligatoire? Il y a une bonne action qui Allah lui fait obligatoire pour faire et il y a une bonne action qui Allah lui fait obligatoire pour qu'il s'en fasse? Pour ne pas faire. Obligation pour faire là qui était? Faraz, obligation pour ne pas faire? Haram. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, écoute bien, c'était le cause vrai. Sa cause vraie là, dans le business, tout ça. Attention, nous quoi, en dehors du business, mon cause vraie. Dans le business, mon pas cause vraie. Sa test dans le business là, zami, tout ça cause vraie, qui a l'un de moi l'occasion pour faire, zami, moi, tu peux comprendre qui appelle honnête et cause vraie dans le business, aussi longtemps qu'il ne va pas faire business. Pourquoi tu me connais? Là, quand on peut causer, vous savez, facile ça, cause facile. Quand arrive ça, là, c'est qui pour pas dire client là, ça là? Mais si vous dites client, ça n'a pas pour vendre. À ce moment-là, travailler, je mais qui? Nous pouvons dire client là, qui s'est mangé d'un coup, désir, pas un coup, 8 heures. Moi, je dis, mais qui pour faire? Balanjé, qui pour pas vous dire client? Je dis, pas vous dire client. Si client là, pas un dimanche, reste tranquille. Si il demande, est-ce qu'il s'est mangé là, un coup, écha, ou c'est un coup, zohab? J'ai dit, un coup, zohab. Il n'y a pas de problème. Mais seulement ça, c'est là, moi, je dis, avec facilité. Dans l'air qui est dans le restaurant, client là, il vient travailler, peinant. À ce moment-là, on a un client, là, qui vous pouvez acheter. C'est un qui tout le temps, moi, je dis à mon frère, ma soeur, jamais nous ne passons l'examen aussi longtemps qu'il ne pas rentrer dans la salle d'examen. C'est-à-dire, un jour, tu as un peu coquin, un jour, de la drogue, un jour, cause mentir, un jour, fait zina. Par quoi qu'il passe dans sa test là? Ça, c'est man, la chambre de man test. Ça n'a rien écrit à la chambre de Zina, la chambre de voleur, la chambre droguée, la chambre à soumettre, faire recours contre politicien, content les rois, supporte les rois, défendre les rois, tout ça là, c'est même la chambre de test. Pas venir dire que moi, quand on passe là-dedans, quand on passe dans le test, là où on passe sa test là. Ben les autres tests, disent Allah, pas de moi. Allahumma afina, fi man afait,
Pardonne-moi, qu'est-ce qu'il vient s'y donner? Et quand donner, supporte-moi Allah. Tout seul, pas pour pas. Right. Premier, c'est As-sidq. Soyez véridique. Un du monde qui causerait. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit hadith de Bukhari, Inna sidq yahdi ila al-bir. Sidq, il dirige vers la piété. Un du monde qui vient propre. Il vient un du monde qui a taqwa dans lui, quand il causerait. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Et la piété, il y a même une vie à Jannah. Wa inna rajula la yasduku hatta yakuna siddiqa. Un djimoun dit conti causerait. Ziska que Allah subhanahu wa ta'ala écrit à lui pour un siddiqi, un véridique. Vous connaissez siddiqin? Abu Bakr radiallahu an. Et quand un djimoun, ça l'expérience personnelle, quand un djimoun lui fait des efforts qui jamais n'est pas cause menti, arrive un moment quand il est coincé, Allah crée situation pour lui pas cause menti. Allah pour créer, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pouvait estimer pour vous. Un exemple, disons, un djimoun, il y a un mariage, il y a une désobéissance à Allah là-bas. Et on finit connaître avant aller, il y a une désobéissance. Vous n'avez pas allé là. À ce que vous dites, vous frère ça, vous belle-sœur ça, vous tchacha ça, vous tchachi ça, dada, dadi. Parce que vous avez une famille dans la case, qui vous dit? Vous avez moi, vous préférez mal? Cause menti? Cause menti pour parler de la désobéissance, mais pas rien dans l'islam ça. Allah subhanahu wa ta'ala, pas signifier. Ça dit mon natif, il ferme. Et il demande droit avec Allah. Allah ouvre ce cimé et donne lui cimé son outil pour ne pas viser Allah dans sa place désobéissance. Là. Mais c'est même un frère, monsieur. Si dans un moment de sa Tesla, nous crase des têtes, nous du pied, nous ne pas prendre compte, nous dire Allah pour pardonner, mais quand nous voudrons ça miracle, quand nous voudrons support Allah, qui pouvait nous supporter nous dans un moment qu'un musulman petit ni ferme et le ciel est petit ni ferme, le Lord Allah, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand nous voudrons ça miracle. Quand il vous trouve ça, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, c'est lui qui n'a taqwa, Allah tout le temps donne un simesot. Quand il vous trouve ça miracle là, si à chaque fois il y a un examen, il redonne une réponse avec un mufti ou bien un cheikh ou bien un daï ou un maulana, pour donner un simesot. Non, et c'est moi pas dire à personne, mon Dieu, tu as apprendre toi, tu as aller toi, tu as faire ça, pas grave, pas en te travailler, allez pas faire, pas donner ce droit, c'est moi, pas faire, mais on pas dire à personne, mon dis pour toi sa réponse. Parce qu'il va le pressionner là, autres, j'ai besoin du monde qui donne autre casse. Ah, c'est ça du monde qui me vient poser question, ah, tiens, donne-lui casse, qu'il peut faire. Si il dit, non, tu peux faire, je ne peux pas travailler, il arrive, il y a un casse, ce robinet fermé, quand le robinet fermé, il va voir, d'accord. Alors, causerie. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, arbaoun, man kunna fihi kana munafiqa. C'est un djimoun, il y a quatre qualités dans lui, il y a un munafiq. Ou kana fihi khasla min arba'a, ou bien, il y en a un de sa quatre là, ça veut dire, il y a une qualité de un munafiq. Ça, hadith là, il est extra, extra, extra dangereux. Je connais un hadith là qui veut dire, il y a quatre qualités. Si un djimoun, il y a tous les quatre dans lui, il y a un mounafiq. Et s'il y en a un là-dedans, ça veut dire qu'il y a un caractère de un mounafiq. Un caractère de un mounafiq. Qui est arrivé, qui ça, quatre là, ça? Il a hadith à kazab, quand il cause une cause menti. Il a wa'ada akhlaf, quand il fait une promesse, il casse sa promesse. Wa idha ahada ghadar. Quand il fait un contrat, il casse ce contrat. Wa idha khasama fajr, quand il discute, il éclate, il n'est pas qu'à cause tranquille, il n'est pas qu'à cause, comment dire, nous avons une discussion, nous assisons avec Adam, nous causons nous. Il faisait éclater, il faisait zoukrer, il faisait cause, tout le monde nous a connu, des gens qui ont une petite discussion. Qui est arrivé? Alors, nous, quand nous lisons ce hadith, ça qui nous fait astir. Là, moi, je trouvais que c'est un problème, là, moi, habitué de la guerre quand on discute. Ok? Mettez ça dans le papier, comment on se travaille? Oh Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha, oh Allah, purifie mon nafs. Wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Oh Allah, purifie mon nafs. Toi, ton meilleur, c'est lui qui purifie. Mais si dit mon là, il y a sa qualité là dans lui, mais il est embête lui-même. Lui-même, il est embête lui-même. Qui va arriver? Il est capable de purifier lui. Alors, ça, c'est première qualité. Et là, c'est une explication. Deuxième qualité, l'honnêteté. L'honnêteté. Amana. Même ça fait encore, il a tout une khan, ou donner un amanat, il prend un amanat, là il donne un autre du monde, ou donner un secret, ou donner un petit toi, ça ne va pas dire à personne. Il y a un autre du monde, je te connais, il ne va pas dire à personne, mon Dieu, toi, tu ne vas pas dire à personne, toi. Et là, l'autre là, je te connais, mon petit toi, parce qu'il y a X, Y, ne va pas dire à personne, personne, Y, Z, ne va pas dire à personne, Z, il existe ce madame. Son madame, c'est son camarade dans les sondes, il dit, mais je te connais, il arrive, ça, il ne va pas dire à personne, mon Dieu, toi. Finalement, tu sais, on m'a dit, connais. Amana. Et ça, c'est qualité de Manmouna Fekhi. Il a tout mina khan. Quand vous êtes un amanat, vous êtes fait
comment vous dites ça? Khan khiana. Khiana en créole. Hein? Vous dire? Faire malhonnête. Right? Numéro 2. Numéro 3. Al-afaf. Al-afaf, c'est une qualité dans nous qu'on a la chasteté là-dedans. La chasteté, ça veut dire qu'on a un djimoun, il n'y a pas dire, vous comprenez? C'est une madame, comment dire? Et là, monsieur, il y a un mariage, ou une madame, il peut venir sortir pour venir donner plus ma confiance, côté de monsieur, côté de monsieur. Il peut venir, il peut donner ça vite. Et là, il peut venir, marcher comme ça, l'écho, il peut pas arrêter, il peut marcher. Après ça, il peut chasteté, il peut pudeur. Vous comprenez la différence? Le là, il peut marcher, il peut pas guetter, il peut tous avancer, tout le monde peut virer, il peut guetter, il peut pas casser la tête. Il marcher, il peut rouler. Pour ça, ma zéné, c'est causé, tu fais là, vini, vini, qui position, donne la main, donne les pieds, tout, pour écouler. Ça, ben, ça peut être une chasteté, ça. Ça, ben, quelque chose qui nous trouve tous les jours, ça, c'est chasteté. À être Coran, ça. Right? C'est un qui a l'a dit, wal yesta'fi fil ladina, la yajidouna nikah. Ben, c'est lui qui n'est pas capable de faire nikah. Il a besoin d'une ifat dans lui. Il a besoin de préserver sa chasteté et sa pudeur. Il n'est pas tiré ça, le YouTube. Tu n'as pas besoin de se marier à te coller à YouTube. Pour ça, il y a ça, il fait un sur la porte, il met ta clé, personne ne va pas trouver. Il casse sur Ifa, sur chasteté, sur pudeur. En même temps, le mot Ifa, c'est aussi dans le risque. Un djimoun a l'air de donner une tchigit même. Un djimoun a l'air de donner une tchigit même, il est satisfait avec sa tchigit là, et personne ne va pas connaître qu'il y a une tchigit, et jamais il n'y a pas de djimoun aussi. Ça aussi veut dire Ifa. Alors, un musulman, il est bien satisfait avec risque. Qui Allah distribue pour lui. Parce qu'Allah dit dans le Coran, nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum. Allah distribue risque. L'inin décide de besoin d'un 5, de la 7, de la 1000, ça n'a 500 000. Alors, ça dit, moun qui est satisfait avec sa ar-razak, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il vous demande, il demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il y a une ifadon. 3. J'ai ma première qui était? Premier. 1. Véridique. Deuxième, amanat. Troisième, iffa, chasteté. Quatrième, al-haya, la honte. Vous voyez qui veut dire la honte? Un djimoun, il rentre dans Montréal. Right? Vous voyez, première fois, il vient de sa place là. Alors, quand il vient de sa place là, ça veut dire, il n'est pas connu personne. Il peut gagner un ticket. Madame, il dit ça, bah, vous pouvez gagner un ticket pour manger, pas gagner un ticket, bah. Rentrez assis et défoncez partout. Un moussama, il n'est pas comme ça. Un musulman, il a haya dans lui, il a haya. Pas peut dire honte, mais un garçon peut faire la honte pour moi, tu pas ça qu'il veut dire. Il n'est pas bien efféminé, il y a une différence entre un djimoun, il a haya dans lui. Haya, ça veut dire qu'il n'est pas agir d'une façon qu'il paye une tranquillité là-dedans, qu'il comment dire, il y a une certaine load là-dedans, un certain respect là-dedans, ça appelle ça haya. Parce que haya, il y a beaucoup de formes qu'on explique haya. Mais nous ne pouvons pas dire efféminé. Rassoum, il défend pour un monsieur efféminé. Ou ça, un petit fille, il fait comme un garçon. Alors, Al-Haya, Rassoum, sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'il n'a mima adraka nas min kalam in nubuwa. Il dit qu'il y a une cause qui va nabi, qui habite, il explique ce comme. Et ben, Jimoun aussi dit ça. C'est si un Jimoun, tu peux la honte, faire ce qui t'envie. C'est-à-dire, pour là, il dit qu'il y a un sexe slip de la cour, tout le monde passe, madame passe, moi, sexe slip. Il y a tout problème, maman, moi, pas mon problème. Pour ça, il prend son madame, il y a la mienne dimanche, midi, son madame qui a assisé avec son hijab, avec son niqab, devant lui, touriste, peut traverser, puis aller, peut venir, son garçon peut louquer, peut être dans quoi l'hygiène, il ne peut pas casser la tête. Bien, le musulman, il n'est pas capable, il a besoin d'un haya dans lui. Rasoul, ça veut dire si tu payes un haya, ça veut dire faire ce qui te l'est. Il peut redire qu'il y a un dimoun, il paye un haya. Pas pour qu'il n'y ait aucun contrôle sur ce dimoun là. Numéro 4. Numéro 5. Un musulman, il ne visait pas kawod. Il visait brave. Nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, ils ont raconté que quand tu es dans la guerre, tout le temps, ils ont trouvé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de front, pas pour les guerres. Tout le temps de front. Les mêmes qui sont dans sahaba, ils ont la guerre pour venir autour pour faire un cercle, pour protéger. Mais lui, à chaque fois qu'il se protège, il est dans le front de la guerre. Parce qu'il est choudia, il est brave, il n'est pas coward. Comment nous dire le contraire brave en créole? Hein? Capon. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il finance un doua pour qu'il musulman fait, pour lui demander protection contre sa capon là. Il dit, Allahumma inni, hein?
A'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Contre le tracas et les problèmes. Wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. L'incapabilité et la paresse. Wa a'udhu bika min al-bukhli wal-jubn. Contre l'avare, paresseuse, crap. L'avarice et contre, qu'ils avaient caponnerie. Qui dit engloutis-moi et qui en dit fait dominer le moi. Alors, un musulman, il est shuja, ça a dit ça. Numéro 6, générosité. Alhamdulillah, nous sommes capables de dire que nos communautés, généralement parlant, sa qualité-là, il y a un ral ralfina, qui nous est bien aimé, qui nous est une communauté très généreuse. Et ça, l'exemple, c'est que j'ai une association islamique qui travaille avec mon pauvre, et tu as perdu un rachon là. Dis qui peut gagner un rachon avec un piste qui vient bien vendre tout. Il y a un ration, il y a un plus qui vise, là on dit, mais matin, il y a le vendé tout. Ou ça, c'est une société, un diamant, et il y a beaucoup de cas, je ne sais pas comment vous tirer ça, parce qu'il y a un contrôle, il n'y a pas qu'un étiali comme ça. Mais pas connaître comment vous tirer ça. Et je te remarque que, par exemple, Frère Nasser, sur SSP dans Médine, qui quand il travaille, Allah fait autre réussir faire. Je dis, Allah fait autre réussir faire. Et qu'il y a un gouvernement, vous pensez, il est incapable de manger. Dans un moment de difficulté, qui on sait manager. Alors, la générosité, c'est Al-Karam. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ajwa d'un nas. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus généreux qui finit trouver. Et dans Ramadan, il est plus généreux. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man kana yu'minu billahi, c'est lui qui finit avec l'iman, nous allons avec le jour dernier, fal yukrim daifa, qui dit, oh non, sont invités. Et ça, mon frère, va me dire, ça, c'est nous, on est invités. Aïe. Numéro 7. Al-wafa, la fidélité. La fidélité. Enjivoun, dans le Coran, Allah dit Aoufou, il au cours d'une fin de contrat, ou besoin fidèle envers ce contrat-là. Un imam, il signe un contrat pour lui faire imam. Après, il est absent 60%. Sur la paye 60% halal, il signe un contrat tout. D'après Sharia, halal, pas halal. Excepté que si dans le contrat-là, il y en a qui gagnent un droit, mais un jour, remplacer quantité qu'il y voulait. Quantité qu'il y voulait. Parce que 60%, c'est trop beaucoup ça. Alors, un djimoun, quand il signe un contrat, il est bien bizarre. Que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait enseigner que quand nous faisons un contrat, nous visons respecter, fidèle envers ce contrat-là. Et pas oublier, parmi les qualités de mon munafiqin, il a ahada ghadab. Il a ahada, s'il fait un contrat, qu'il y fait, il casse sa contrat. Là. Numéro 7. Numéro 8, restons avec haram. Un musulman, il restons avec haram. Dans sa qualité, ça, restons avec haram. Il n'a pas connu quelque chose haram. Il est capable d'être piégé en quelque chose haram. Il est capable d'un moment, une faiblesse de iman, une rente de haram. C'est moi en tant qu'une qualité qui est bien fondue dans un iman, dans un musulman, c'est qu'il restons avec quelque chose qui est haram. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ya yuhannas inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah li bon, li beau et li bon, jamil et li beau, li bon et li bon, et il accepte juste quelque chose qui est bon. Et dans notre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit al rajulu yutwilu safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'ahu haram wa malbasuhu haram wa ashrabu haram wa ghudhiya bil haram. Le Rasoul Sazam dit, un djimoun qui fait un long voyage, d'ailleurs, doit accepter le voyage. Ash'ath akhbar veut dire, c'est vrai en désordre, la poussière plein l'eau. Et il y a un riwayat qui dit, devant Kaaba, yamuddu yadayhi ila sama, il lève ce délamé vers les ciels. Et lève la main, demande doua, c'est parmi les actions qui fait nous doit accepter quand nous lève la main, nous demande doua. Et il peut dire, ya Rab, il demande doua, c'est avec Allah. Seulement, mat'amuhu haram, se manger haram. Malbasuhu haram, so linz haram. Mashrabuhu haram, so bo haram. Wa ghudhiya bil haram, haram rempli de ce l'écho. Rasoul Sam dit, anna yustajab, comment Allah peut accepter ce dua? Alors, dans la qualité d'un musulman, il y en a qui, un musulman, parmi, lit ce précaution qu'il disait, prend, mon manger, mon la boisson, mon l'argent, qu'il disait pas haram, mon place qui m'a allé, mon place qui m'a promené, tout ça, il disait, prend précaution pour ne pas rentrer dans haram. Numéro 9, husnul diwar, c'est agir bien envers nos voisins, faire bon voisinage. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de Sahih Bukhari dit "Ma zala Jibril yusini hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu
Rasoul Sazem que Jibril s'accroche des fois qu'il peut emphasize, il peut mettre l'emphase, le droit voisin, jusqu'à moi tu peux penser que Jibril pour dire quand de partage du bien, mais c'est un voisin aussi du bien. Ça cache l'importance là, et non, donc il s'appelle de Husnul Jiwab qui nous agit bien en bien nos voisins. Rasoul Sazem, il y a un man qui a eu un akhir, Sahih Bukhari, fala yu'di jara, c'est lui qui a iman lo Allah. Et le jour dernier, qu'il n'est pas fait dito au son voisin. Et dernier, c'est Moussa'ada Zawil Hajjad. Dans un musulman sur qualité, il est content d'aider. Qui est content d'aider. Fais-moi un djoun, il trouve qu'il y a un neuf dans lui là. Ça va une activité là. C'est moi, il n'est pas payé qu'aucun personne, mais c'est moi, je dis, il y a un djoun de problème, il traverse, il y a un djoun, une madame il tombe, il n'est pas guetté, il y a un djoun peine à manger, il n'est pas guetté. Elle dit, peine à sa qualité aider là. Alors ça, c'est une qualité bien fondue dans le caractère musulman, c'est il est content d'aider. Rasoul 60 de Sahih Muslim dit, Wallahi fi auni l'abdi, ma kana l'abdu fi auni akhi. Allah, il continue, reste dans l'aide, un serviteur qui aide son frère. Et dans l'autre hadith, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Ahabban nasu ila Allah anfa'hun linnas. Dans le Mujam al-Tabrani, hadith Hassan, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Djimoun qui Allah plus content, c'est djimoun qui plus bénéfice à l'humanité. Il dit l'humanité. Plus bénéfice à l'humanité. Et Ahabul a'mali ila Allah, action qui Allah plus content, sururun tudkhilu ala muslim, un contentement, action qui Allah plus content, un contentement qui rentre dans les quais un musulman. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, dernier hadith pour Azouji, qui concernant Ed Jimoun, il dit As-sa'i ala l'armalati wal miskin, kal mujahid fi sabilillah, hadith de Bukhari. Un Jimoun qui peut prendre compte, qui peut occuper une veuve. Un armala, c'est une veuve. Ou bien, ben orphelin, il paraît comme un mujahid fils de Allah. Dans l'autre riwayat, il paraît comme un djimoun qui doit rosa tous les jours et il fait l'ibadat dans la nuit, tout le long de la nuit. Un djimoun qui prend compte, ben orphelin et ben armala, c'est ben veuve, nous demande à Allah subhanahu wa ta'ala doit que Rabbul Alamin, il perfectionne nos caractères. Et si nous désignons ce même caractère-là, il fait nous, God, ce même caractère-là, il nous perfectionne, et ben manquement qui nous a, qui Allah de nous tawfiq. Pour nous mettre en pratique sa main akhlaq, sa main caractère là. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, mon frère, mets sa vat, monte par l'escalier, mon frère aussi, mets sa vat, monte par l'escalier, inch'Allah.